Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maddy. Alors je reviens vers vous, je vais vous faire quelques vidéos. Hein. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en forme, donc il faut en profiter. On va commencer tout de suite avec le départ de Thierry Breton, chose que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent. Alors on sait qu'il a démissionné de la Commission européenne, qu'il a dû y avoir des mots avec notre chère Ursula. Mais bon... Qu'est-ce qui se cache derrière ce départ? Est-ce que c'est les rats qui quittent le navire? Une de mes cartes de mon oracle, hein, que j'aime bien d'ailleurs. Ah tiens, j'ai la carte du chantage qui est tombée. Elle est vraiment... Voilà, elle vient juste de tomber du jeu. Elle est vraiment tombée. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai la carte du chantage. Bon, ok. Ok. Alors, mais on va essayer d'approfondir. Pourquoi est-ce que Thierry B, alors vous me direz, j'ai déjà dit le nom, mais enfin bon, tant pis. Est-ce qu'il est parti de façon aussi, on va dire, impromptue? Alors là, j'ai des gens qui vont à l'église. Oui, je le monte. Bon, ok. Bon, ça c'est autre chose. Attendez, j'arrive. Bon, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a un regain de foi dans le monde. Ça c'est très bien. Et là, je suis en train de penser à Monsieur Thierry. Alors, attendez. Ok, pourquoi est-ce qu'il est parti en claquant la porte, hein? En gros, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Alors, le collabo. Ah, j'ai la carte du collabo. J'ai le dictateur et j'ai... Ah, ça, c'est amusant parce que j'ai les mondialistes, là, avec leur plan. La carte du collabo. Bon, il y a aussi quelqu'un d'autoritaire, donc il doit y avoir un problème entre les deux personnalités. Ce qui est curieux, c'est que j'ai quand même la carte du traître ici. Ok. Collabo, donc collabo, vous savez ce que c'est, hein, le loup qui se cache parmi les moutons. Donc quelqu'un qui n'est pas franc-jeu, qui ne joue pas franc-jeu. Bon, mondialistes, ils le sont tous les deux. Quelqu'un de dictatorial. Alors, est-ce que c'est juste un problème de tempérament opposé? J'ai quand même la carte du collabo. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que je pense que le problème, il est là. Hein. Il est entre Ursula et la révolution. Oui. La révolution. La dictature. Le militaire. Ouais. Quoi d'autre? Pourquoi j'ai la carte du collabo? La trahison. C'est bizarre, j'ai le collabo et la trahison. Bon, il y a dû y avoir quand même un truc entre les deux. Hein. Bon, ça, on ira approfondir. C'est peut-être un élément supplémentaire en dehors du tirage. Mais là, par contre, collabo, trahison, il a dû lui faire quelque chose dans son dos. Hein. Ouais, il a dû la trahir. Bon, franchement, on peut pas mieux. Je veux dire, vous avez le collabo, vous avez la trahison. Donc, c'est facile à comprendre. Là, j'ai les mondialistes. Regardez ce qui se passe là. Ne comptez que sur soi. Bon, alors, ça, c'est ma fameuse carte. Il faut compter que sur soi. Et là, on a les mondialistes. Bien. Bon, ça, on sait que c'est pas nos copains. Hein. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tiens, d'ailleurs, on va regarder par là. Les médias. Bon, bah, ils ont toujours, évidemment, la collaboration des médias. Ouais, bon, bah ça, c'est... Là, à mon avis, il y a un problème qui arrive. Et là, ça veut dire que les médias ne nous aideront pas, nous. Je m'aperçois que la nappe, elle est... Bon, il y a des plis. Bon, écoutez, regardez pas les plis, hein. Ok, on va pousser ça par là. Alors, il y a quelque chose qui bouge, là. Il y a quelque chose qui bouge au niveau militaire. Ouais, mais moi, j'étais partie sur Ursula. Donc, elle l'accuse plutôt de trahison. Quelqu'un qui est aux commandes, quelqu'un qui est aux commandes, un homme aux commandes, collabo, trahison, un homme aux commandes, tiens, et ça là je suis sur Thierry Breton, hein. Ok, collabo, trahison, bon ben moi j'ai l'impression que monsieur Thierry B, il a dû dire des secrets. Il a dû dire des secrets concernant Ursule, là, à quelqu'un d'autre. Oh, écoutez, franchement, hein,
La comète, la comète, la comète, tout le temps. Bon, il y a un truc qui va arriver, hein. Bon, la comète, moi, je la mettrai ici. Il y a quelque chose qui va se passer là au niveau militaire. Hein. Ah, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là. Alors, plutôt dans le bon sens, d'ailleurs. Il y a une victoire militaire là, avec la joie du peuple. Et c'est annoncé par la comète. Alors, une victoire militaire ou une victoire de quelqu'un qui peut être un chef militaire. Hein, on va dire ça comme ça. Parce que c'est quand même le chef militaire ici. C'est curieux, hein. Ah, ça sent la rue-rue par là. Bon, alors c'était pas le propos, je sais, mais enfin, je donne l'info, hein. Bon, alors, il y a eu un truc. Alors, que reproche Ursula? Ou quel est le différent? Parce qu'il y a de la trahison, là, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Qu'est-ce qu'elle lui reproche? Bon, alors ça, c'est elle. Ça, c'est elle qui se délite. Il y a quelqu'un qui est en train de disparaître. C'est curieux. Ah là là. Ça, c'est elle. Hein. C'est une femme. Hein. Ça, c'est elle. J'ai la carte du collabo, de la trahison. Et de quelqu'un d'autre, là, qui est aux commandes. Pourquoi j'ai ça? Les ondes. Bon, les ondes, c'est la communication hein, aussi. Hein. Bon, bah, il y a des histoires de communication. Là, moi, le collabo, c'est très clair comme carte. Hein. On ne peut pas mieux. Hein. Donc là, moi, je pense que le Thierry B, c'était quelqu'un qui était faux. C'est-à-dire qui devait trahir, dire des choses dans le dos de Madame Ursulette, hein, par le biais alors des communications et des communications ici. Qu'est-ce qu'il a pu dire, qui pourrait ternir son image? Ah, alors ça, c'est trop curieux. Là, il y a quelqu'un qui est à la rue. Alors là, c'est bizarre. Est-ce qu'il voulait qu'elle parte ou quoi? Attendez. Quelqu'un qui a perdu son job, qui n'a plus rien. Oups. Quelqu'un de malade. Est-ce qu'on aurait les fameux SMS? Le chantage encore qui ressort. Regardez, elle a voulu sauter du jeu. Bon, il y a des histoires de pression, de chantage, de vouloir faire perdre le job à quelqu'un, là, de le mettre dehors. Et là, alors pourquoi j'ai quelqu'un de malade? Il y a des histoires de chantage. Alors, moi j'ai l'impression que le gars, donc Thierry, il était en train de renseigner quelqu'un, parce qu'on a quand même Judas ici, hein, de trahir Ursula, de renseigner quelqu'un qui est peut-être là, avec des histoires d'ondes, donc il devait y avoir des histoires de communication. Alors, et ça concernerait les histoires de santé. Je sais pas. Alors, on va te poser la question. Pour la faire partir. Est-ce que le but de. Quel était le but de Thierry? Voilà. La famille. Oui. Alors, la famille, le parti, la famille. Prendre soin de sa famille. Oui. Ah oui, ça c'est drôle. Prendre soin de sa famille. Il y a un homme qui arrive là. Alors, la famille, c'est les alliés éventuellement, pourquoi pas. C'est bizarre, j'ai un homme derrière moi. Le chantage. Est-ce qu'il voulait faire du chantage à Ursula pour qu'elle s'en aille? Ah ouais. Bon, alors, c'est très intéressant les cartes que j'ai. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est ça, mais bon, j'ai une hypothèse qui se dessine. C'est qu'il y a des histoires de chantage, de moyens de pression, de trahison, de mensonges, même avec Judas. Hein. Judas, il a vendu Jésus pour quelques pièces, hein. Vous savez, vous connaissez l'histoire, hein, pour le livrer. Oui, ma carte Judas, en fait, elle va très loin. Pour le livrer alors à la police de l'époque, on va dire, hein, d'accord? Aux gardes, voilà. Donc moi, je me demande s'il si n'était pas en train de. Le collabo, là, s'il n'était pas en train de préparer. Comment dirais-je? De préparer le départ de vouloir la faire partir, en fait, de la mettre hors d'usage. Comment dire? Hors de pouvoir. Voilà, ça c'est la carte de la faiblesse, de lui faire perdre son job. Alors, par des moyens de chantage, des moyens de pression, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est à la rue, qui n'a plus rien, qui a tout perdu. Donc là, non, c'est pas un copain. Hein. Ah non, ils sont pas copains, hein, avec des cartes comme ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, il y a prendre soin de la famille. Donc, prendre soin
d'autres personnes, des histoires de communication qui peuvent être cachées, des histoires de, voyez, de défaire l'image d'une femme, là, voilà. Elle se dissout. Et ce qui est marrant, c'est que là, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. J'ai le capitaine derrière, là. Attendez, où est-ce qu'il est, l'autre? Le capitaine, il est caché, là. Moi, j'ai l'impression qu'il voulait dire des choses sur elle pour la faire partir. C'est un peu bizarre. Et pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas de qui c'est le copain, Thierry EB. Mais... Alors, comment la faire partir? Ben, peut-être en trouvant des choses sur les histoires de santé. Bon, je sais qu'elle a des conflits d'intérêts, vous le savez, évidemment, vous aussi, notamment par rapport à son mari, le mari d'Ursulette, qui est en relation avec les ballots, hein, je crois. Hein. Donc, peut-être qu'il était... Est-ce qu'il était en train de collecter des infos sur elle? Attendez, on va essayer de voir un peu. Ouais, bah ouais, bah je vous assure, c'est ça. Hein, voilà. Il voulait la faire passer alors devant un tribunal. Hein, il y a quelque chose comme ça. C'est bizarre. La mettre en jugement. Et moi, je pense que c'est par rapport à des questions de santé. Donc, voilà. Alors pourquoi? Ben, alors peut-être que lui, il voulait prendre sa place. Hein, vous voyez? C'est pas impossible. Hein. Peut-être pour lui piquer sa place. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui arrive, enfin qui serait arrivé, si le plan avait marché, mais enfin il est parti, qui serait arrivé par la suite. Et c'est bien un homme. Hein. D'accord, donc c'était pour lui piquer sa place ou éventuellement pour que quelqu'un d'autre prenne le relais. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Ça passerait par un jugement. Ah bah sympa entre eux, hein. Ah ils sont sympas entre eux, en tout cas la carte du collabo, hein, c'est clair et net, hein. Le collabo c'est un traître, hein. Vous aviez aussi Judas, bon bah d'accord, et donc Ursula, donc elle a dû s'en apercevoir je pense, attendez regardez, ouais, bon elle est dans une position incertaine, il y a des histoires de sous, hein. Ah il y a des histoires de corruption là-dedans, oui, bah voyez c'est ça le scandale, hein. Le scandale financier, oui. Donc en fait, elle est dans une position, vous voyez, incertaine. Il faut qu'elle garde toujours un certain équilibre, équilibre précaire, parce qu'elle a des choses à se reprocher. Les deux cartes ensemble, c'est scandale, scandale par rapport à des sous. Hein. Donc il a dû collecter des infos sur elle. Hein. Et c'est pour ça que vous avez les antennes, enfin l'antenne plutôt ici. Vous voyez? Il a dû collecter des informations pour, vous voyez, pour avoir un moyen de pression, un moyen de chantage, même pour la mettre éventuellement en situation de jugement, pour la faire partir. Hein. Ah, c'est très net, hein. J'ai toutes mes cartes qui me disent la même chose. Bon, d'accord. Bon, elle s'en est aperçue. Bon, bah, petit tirage rapide, hein. Alors, j'ai regardé ici, là. Parce que là, il y a la comète, je vous l'ai déjà dit, hein, en octobre-novembre, elle repasse près de la Terre. Et elle nous avertit d'un truc militaire. Hein. Moi, ça sort dans toutes mes cartes. Je vous avais sorti une explosion aussi, vous vous rappelez. Et j'ai été très mal pendant 2, 3 jours. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous faire de tirage. Moi, quand je vais pas bien, c'est que je sens qu'il y a un truc qui arrive. Et à chaque fois, ça loupe pas. Et vous avez entendu ce qui s'est passé au Liban, hein, avec les personnes, les trucs d'explosion, les beepers, là. Toutes les personnes qui ont été blessées. Eh ben voilà, explosion. Boum. Alors évidemment, l'explosion, je ne peux pas la remettre en perspective à chaque fois. Elle sort comme elle sort. Hein. Mais à mon avis, là, Israël joue un jeu très dangereux. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose. Hein. Lucre, c'est une chose, mais Israël, c'est ça qui peut mettre vraiment le feu aux poudres. Au sens propre et au figuré. Bon, alors on va regarder ce que c'est que ça. C'est la victoire du peuple, la joie du peuple, victoire militaire et annoncée par la comète. De quoi on nous parle? Bon, alors là, il y a un jugement qui arrive. Une décision, un jugement. Ah ouais. Dans une situation de grande urgence. De grande, grande urgence. Alors, vous avez le choix, hein? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Lucre. D'un autre côté, vous avez aussi Gaza où il y a les enfants. Alors, pff, bon, au choix. Franchement, ouais, il y a les enfants aussi. Là, il n'y a plus rien à manger là-bas. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Attendez, je vais essayer de reposer la question. Pourquoi est-ce qu'on a une victoire ici? Alors, les questions d'identité, de gêne, oui, bon, ça ne m'aide pas plus. Hein. Ah ouais, ça ne m'aide pas plus. De menaces sur l'identité, oui. Ah, la paix qui arrive. Hein. Ah, écoutez, moi,
J'ai la reine de la paix qui est sortie. J'adore cette carte. Je crois qu'elle vous plaît aussi beaucoup. Je l'avais mise dans ma communauté. Voyez. Et ce jour-là, j'étais bien inspirée en créant la carte. Parce qu'elle est magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la paix. La reine de la paix qui nous dit que. Alors, les menaces sur l'identité, les menaces sur une population, on va dire ça comme ça, eh bien, la paix arrive. Une paix qui passera par une victoire militaire. Oui, j'ai ça, hein. Bon, alors après, quel pays? C'est tout le problème. Est-ce que c'est l'Ukraine ou est-ce que c'est Israël? Je ne sais pas. C'est dans les deux cas, de toute façon, il faut que ça cesse. Mais, et je suis très, très, très contente parce que j'ai une personne que je salue ici qui se reconnaîtra, qui m'a dit que, ben, en fait, grâce à ma petite chaîne, elle a découvert NDML, Notre-Dame de la Miséricorde ou de la Lumière, je ne sais jamais. Excusez-moi. Hein. Et enfin bref, NDML. Et en fait, eh bien, elle a découvert aussi le chapelet. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, je sais que beaucoup d'entre vous, qui ont découvert le chapelet grâce à ma petite vidéo que j'ai faite. Et le chapelet, c'est une arme extraordinaire. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas d'ailleurs. Hein. Ah ben non. Le chapelet permet d'apporter la paix ou d'arrêter la guerre, comme vous voulez. Moi, j'ai ça. Hein. Et donc, je pense que les personnes qui se sont mises au chapelet, eh bien, grâce à vous, grâce à nous, la paix arrive ici. Bon. OK. Alors, on va regarder deux choses importantes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ne comptez que sur soi. Bon, ils ont toujours leur foutu agenda, là. Les médias, qui sont toujours de leur côté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les mondialistes, là? Ah, ça, c'est drôle. Alors, va-t'en savoir. Va-t'en comprendre, m'a dit. Ouais, j'ai le criquet, la sauterelle. Alors, évidemment, pour moi, c'était un peu les questions de nourriture, hein. Les questions de nourriture, mais là, c'est pas le cas. Alors, ça veut dire qu'ils vont sauter. Ça peut être ça aussi, hein. Un. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Alors, je sais pas du tout pourquoi c'est sorti. La connerie humaine. Oui, ça va sur les médias. C'est tous les gens qui écoutent les mainstream. La connerie humaine, non? Qui suivent ce que disent les médias mainstream. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas. Alors, j'ai mini cricket, la voix de la conscience. Pourquoi j'ai ça qui est sorti? Ou alors, il nous prépare la bouffe du futur. Oui, ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a sur les mondialistes, là? Bon, alors, eux, ils sont occupés à nous piquer nos sous. L'épargne, ça c'est la caisse d'épargne, hein, l'écureuil, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer la carte. Ils sont en train de vouloir nous piquer nos sous et je pense que c'est la nourriture hein, et de changer notre nourriture. Ouais. Et là on dit qu'il faut compter que sur nous. Bon. Alors vous allez dire, mais oui, mais est-ce qu'ils vont y arriver? On va regarder. Pendant que j'y suis, hein, juste avant d'aller à l'école, là j'ai encore un peu de temps. Oui. Aïe. Décidément, les moutons. Bah, en fait, les mondialistes comptent sur la bêtise humaine. Hein. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Sur les petits moutons, les grands moutons, les moutons nombreux, enfin, toutes les races de moutons, quoi, mais sauf les noirs, évidemment. N'y voyez pas de connotation raciste, s'il vous plaît. Les moutons noirs, c'est évidemment les gens qui sont rebelles. Bref, les mondialistes sont en train de compter sur la bêtise humaine et sur les gens qui ne veulent pas voir la vérité. Bien. Ok. Mais est-ce qu'ils vont gagner? C'est-à-dire que tant que les gens n'auront pas compris ce qui se passe, ça va être compliqué. Hein. Bon, ça tourne un petit peu en rond quand même. Hein. Ah, ils sont un petit peu bloqués là. Ouais, ils sont un petit peu bloqués. Surfer sur la vague. Bon, ça peut être eux. Vous voyez, ils sont aussi en situation d'équilibre instable. Ils surfent sur la vague. On a encore des scandales qui sortent là. En veux-tu, en voilà. Bon, il y a toujours la corruption, malheureusement. Ça, évidemment, c'est leur arme maîtresse, hein, acheter les gens. La carte de la corruption ou des trafics. Ah, il y a la guerre. Ah mince. Alors là, c'est embêtant parce que, ils veulent vraiment, vraiment, vraiment nous déclencher une guerre. Donc, ils vont tout faire pour nous déclencher une guerre mondiale, hein, parce que la guerre, elle est partout. Hein. Ah ouais, il y en a vraiment partout. Seulement, on ne nous le dit pas. Bon, eux, ils veulent nous déclencher une guerre. Oui, on a compris. Et ils sont quand même embêtés. Ils sont quand même embêtés. Et il est bien possible qu'ils se disputent aussi entre eux. Alors, ça peut aussi montrer la situation de la France, hein, qui est un vrai chaos au niveau politique.
Parce que l'autre, il n'arrive pas. Bon. Alors, je sais pas si le père Michel, il a fait un nouveau gouvernement. Mais en tout cas, quand il y aura un nouveau gouvernement, eh bien, ça va être un chaos. Et ça les embête, les mondialistes. Ouais, quelque part, ça ne suit pas tout à fait le plan. L'autre, il a fait une grosse boulette en dissolvant. C'est ça, hein? En dissolvant. Hein? Ouais, c'est bizarre. En dissolvant l'Assemblée nationale, il a fait une grosse boulette. Bon, est-ce qu'on peut nous dire s'ils vont réussir à nous déclencher une guerre, les autres, là? Bon, alors, ils vont faire des petits profits, donc ils auront des petites victoires, oui. Ah oui, mais il y a un bon leader qui arrive là. Ah. Est-ce que je vais enfin réussir à vous le sortir? Alors, écoutez bien. Écoutez bien. Scoop. Ça, c'est un bon leader. Voilà. J'en ai qu'un dans le jeu. Le bon leader, c'est certainement Coin-Coin ou Donald de son petit nom. Et vous voyez qu'ici, ils vont tout faire pour saboter, vous voyez, sa carte du sabotage, eh bien, l'arrivée du bon leader. Alors, je ne suis pas fan de Trump, pardon, de Donald, hein. Je ne suis pas trompinette ou quoi que ce soit, on est d'accord, j'ai déjà dit 10 000 fois, mais ce gars-là, il est quand même pour la paix. Et c'est évidemment ce dont on a besoin, d'accord? Et eux, ils le savent, là, les maîtres de l'agenda, là, vous voyez? Donc, ils vont tout faire pour saboter. En live, je n'ai pas réussi à vous dire s'il allait revenir ou pas, mais je vous ai dit qu'ils ne le laisseront jamais revenir. Alors, est-ce que ce sabotage va arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Bon, quelqu'un qui répare. Alors, sabotage, mais répare. Donc, j'ai envie de dire tentative qui ne marchera pas, ou sabotage, et puis il y aura réparation derrière. C'est amusant que les deux soient sortis. Bien, le bon leader arrive-t-il? Donnez-moi la réponse là-haut, s'il vous plaît. Oh non! Oh non! Excusez-moi. Bon, alors, ça c'est embêtant parce que ça veut dire que qu'il arrive ou pas, eh ben celui-là arrivera aussi. Voilà. Ça c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. L'antéchrist. Donc lui, de toute façon, il arrive. Voilà. Je suis désolée, les amis. Bon. Alors peut-être pas tout de suite, hein, d'accord? Mais il arrive. Il arrivera, il arrive, il va arriver. Bon, donc celui-là, bah, j'ai sabotage et réparation. Oui. Attendez, je me concentre. Est-ce que Coin-Coin va être élu? Attendez, je reprends mon jeu pour bien le. J'ai encore suffisamment de cartes pour vous donner une réponse. Une réponse, quoi? Alors, est-ce qu'il sera élu? Est-ce qu'il sera élu? Bon, vous avez vu la carte que j'ai tournée? Les militaires. Il y a un truc, hein. Il y a les militaires. Alors, sabotage, réparation, oui, mais j'ai quand même les militaires. Et est-ce que ça veut dire que ça, c'est contre lui? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, ça, pour lui? Parce que les militaires, ça peut être aussi, évidemment, la garde US, quoi. Enfin, je veux dire, l'armée, quoi. Qui serait pour Donald, hein, on est d'accord, hein. Oups! Alors, elle a sauté du jeu, hein. Alors, moi, écoutez, ben, bof, hein. J'ai toujours le projet bébé, hein, Blue-Blue, avec celui-ci, mais les deux vont ensemble, hein, de toute façon. Hein. Bon, ben, j'ai pas la réponse, j'ai que les militaires, hein. Attendez, j'ai changé de jeu, peut-être que le mien est fatigué. On va prendre le corbeau, là. J'ai un peu oublié, puis après, il faudra que je m'en aille. Oui, je sais, je vous raconte ma vie, mais enfin, bon. Alors. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut nous dire là pour Donald? Est-ce que je regarde la coupe? Ouais, je regardais la coupe. Alors, ça c'est quoi? La curiosité et la routine. Curiosité, routine, oui. Bon, lui, il est surveillé, d'accord, mais ça, on le savait. Est-ce qu'il va être élu? Le. Oh non! Ah, écoutez, je suis désolée, les amis. Je sortais devant vous. Le deuil. Il y a un truc, hein. Ah ouais. Et voyez, c'est toujours pareil, hein, je le vois empêché. Bon, ceci dit, ne vous inquiétez pas, ce qui doit arriver arrivera, je referai d'autres tirages, ça peut changer, mais le deuil. Donc il y a quand même quelque chose, hein, d'accord? Bon, en tout cas, ça change rien, celui-là, il arrivera avec la nouvelle religion, ce qui est une très bonne chose, oui, parce que une fois qu'on aura fait le choix, enfin, bon, moi je l'ai fait, une fois que vous aurez fait le choix, si vous ne l'avez pas fait, et que vous aurez fait le bon choix, c'est-à-dire le choix de Jésus, eh bien, de toute façon, celui-là arrivera et nous, normalement, on ne sera plus là. Voilà. Donc, on sera enfin débarrassé, quoi. Hein? Il faut en passer par là. Bon, allez, j'arrête mon blabla. Je m'en vais. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard.
J'en ai quelques-unes en tête. Mais celle-là, vous l'aurez aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. On continue à faire le chapelet. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.